à Frédéric Granet d'être la secrétaire de séance. Voilà. Tu acceptes? Si personne n'y voit d'inconvénient, donc. Bien, est-ce que Céline, tu nous entends? Ça y est, oui, je vous entends. Bon. Jean-Jacques? Oui, Blanche? c'est bon. Oui, Voilà, tout le monde est revenu. Donc, voilà pour l'appel. Ensuite, donc, vous dire que ce conseil municipal, qui est le dernier de l'année, donc, va être consacré à plusieurs délibérations de régularisation en fin d'année, souvent, notamment budgétaires, mais aussi sur les tarifs principalement. Mais avant de passer aux délibérations, donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc Christophe Mathieu et Jacques Chaput qui vont se présenter, qui viennent nous parler donc de quelque chose qui va être important pour toutes les communes de Limoges Métropole. C'est le fameux PLUI qui va remplacer les PLU de chaque commune. Sachant que notre PLU est toujours en vigueur, il est toujours en révision, mais ça n'empêche pas de commencer à travailler, comme nous l'expliquerons, sur le PLUI. Et voilà, on s'y prend un petit peu en avance parce que je suppose que vous passez dans toutes les communes. Donc voilà, c'était important de pouvoir présenter ce qui va un petit peu encadrer et réglementer l'évolution de notre territoire dans les prochaines années, sachant qu'avant que le PLUI soit adopté, il y a du travail derrière, avant en tout cas. Voilà, donc Christophe, je vous passe vous présenter si vous voulez. Voilà, oui, voilà. Bonjour à tous. Je suis Christophe Mathieu, je suis le responsable de la direction développement territorial à Limoges Métropole. Jacques Chaput, donc je travaille au sein de la direction de Christophe Mathieu et j'ai en charge le service planification qui s'occupe des PLU et du futur PLU. Voilà, on va essayer d'être assez succinct mais complet pour vous présenter les grands principes hein, du PLU intercommunal. Je vais intervenir sur les grandes notions, en fait, les enjeux du PLU intercommunal et Jacques, par la suite, vous fera un détail sur les éléments de concertation et d'accompagnement de la construction du projet avec l'ensemble des communes. Alors, peut-être en descendant un peu, Jacques. Voilà. Pour s'appuyer sur des éléments un peu graphiques et assez simples à lire. Hein. Donc, du coup, en fait, ce premier élément-là, pour vous présenter dans les grandes mailles ce que va représenter tout ce travail sur le PLU intercommunal. Alors, la carte qui est représentée plusieurs fois est la carte du périmètre de l'intercommunalité, de Limoges Métropole. Et donc, il va s'agir pendant une durée de 5 à 6 ans, de travailler ensemble, donc à l'échelle de ce périmètre, c'est-à-dire que chaque commune va s'en remettre à un territoire un petit peu plus vaste pour commencer à se connaître, à travailler ensemble, à voir en fait quelles sont les qualités de notre territoire à tous, les limites aussi, certaines difficultés, pour essayer de les lever, de construire ensemble un grand projet. Alors ce projet, il se construit évidemment selon plusieurs entrées thématiques. Elles sont déclinées ici. Il y en a évidemment d'autres. Hein. La carte grise du fond indique bien qu'il y a une suite à ça. C'est effectivement le développement économique, le cadre de vie, le climat, les déplacements, l'habitat. C'est aussi le tourisme. C'est aussi l'environnement. C'est encore d'autres sujets. Il s'agira donc de travailler à cette échelle-là toujours sur ces différentes entrées thématiques. Et l'ambition du PLU intercommunal, c'est de faire que toutes ces thématiques, en fait, qui sont travaillées habituellement, on va dire un peu par silo, hein, de manière très posée, puissent faire qu'on arrive à un projet intercommunal qui permette en fait de lier l'ensemble de ces thématiques-là. C'est-à-dire que les déplacements puissent bénéficier à la fois à l'habitat comme au développement économique, sans pour autant venir impacter de manière trop forte notre cadre de vie qui constitue, et vous le savez particulièrement ici à Fethia, qui constitue finalement notre patrimoine commun pour le territoire intercommunal de Limoges Métropole. Pour prolonger un petit peu ce sujet, voilà, donc on va s'appuyer sur un deuxième
Deuxième schéma qui est ce sablier, en fait, ce sablier inversé qui vient présenter finalement le cadre législatif qui va guider tout le travail du PLU intercommunal. Alors, sur la partie haute, on voit effectivement ce socle qui correspond à l'ensemble des règles nationales. C'est le code de l'urbanisme, mais c'est les diverses lois qui régissent l'ensemble des sujets d'urbanisme, donc en commençant par la SRU. Merci. Donc voilà, en fait. Hein. Voilà, vous l'avez vu, effectivement, ben, il y a la main, Jacques à la main. Donc, il commence par la loi SRU et qui vont jusqu'à la loi la plus récente, climat et résilience, qui sont donc tous ces éléments qui vont venir construire finalement en fait, le cadre de ce travail. Toutes ces lois, tous ces socles, tout ce socle est évidemment traduit et repris dans l'ensemble des documents qui vont aussi servir de cadre. C'est donc des documents à l'échelle régionale, comme le SRADET, un schéma régional d'aménagement, de développement durable. C'est à une échelle en dessous, le fameux SCOT, un schéma de cohérence territoriale, qui là encore va nous guider sur les grands enjeux que va devoir prendre en compte le PLUI. Et c'est aussi, en fait, à l'échelle du périmètre intercommunal, l'ensemble des documents thématiques en lien avec l'habitat, avec les déplacements urbains ou avec le climat air, énergie territoriale, qui constituent là encore en fait, des éléments forts de construction et d'appui à ce projet de PLU intercommunal. Alors, pour aller un tout petit peu plus dans le détail et finalement faire la transition avec l'explication que fera Jacques, finalement, en fait, ce sablier, en fait, hein, avec deux éléments inversés, montre bien que finalement, tout le travail qui va devoir être fait sur ce PLU intercommunal, c'est sur la base, en fait, le socle, c'est l'ensemble des connaissances que les communes ont et qui vont devoir nous être remontées, en fait, avec des projets déjà communaux qui vont participer à la construction de ce projet intercommunal qui va devoir se rencontrer ou rencontrer, en fait, hein, tout ce socle législatif qui constitue le cadre. Et donc, c'est bien cette convergence des deux éléments qui va donner finalement et construire ce fameux PLU intercommunal. Voilà, je vais laisser donc un peu rappeler rapidement les grands enjeux ou les grandes intentions qui sont guidées dans ce PLU intercommunal. Je vais laisser la parole à Jacques pour rentrer un petit peu plus dans le détail de construction du document. Dans la continuité de l'effet descendant et ascendant, le législateur, lorsqu'il a rédigé les textes de loi, impose à tout EPCI qui veut se lancer dans le PLUI d'élaborer une charte de co-construction du document avec les communes membres. C'est-à-dire que Limoges Métropole ne pourra pas prendre de délibération de lancement du PLUI sans avoir au préalable réuni la conférence intercommunale des maires qui devra acter de la gouvernance du PLUI, et non seulement de la gouvernance, mais également du schéma de co-construction du document entre les communes membres et les communes et l'EPCI. Ça veut dire que c'est le législateur qui impose que les conseils municipaux soient tous représentés à différentes étapes du jalon de la construction pendant toute l'élaboration et jusqu'à son approbation du PLUI. Donc, première étape de co-construction, les maires de chaque commune seront réunis pour acter la gouvernance, les objectifs du PLUI et la façon et les modalités donc de co-construction du document entre les communes et l'EPCI. Ensuite, on rentre, pour ceux qui sont comme vous, qui êtes en train de réviser votre PLU, le PLUI, c'est exactement le même principe. On fait un diagnostic, on fait un PADD, on a les mêmes étapes à franchir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, ça va être la première fois qu'on va faire l'exercice d'un diagnostic territorial à l'échelle de Limoges Métropole, ce qui va permettre à chaque membre d'un conseil municipal de connaître, comme disait tout à l'heure Christophe, les atouts, les faiblesses, et que sais-je, enfin en tout cas toute l'identité du territoire, parce qu'on part du sacerdoce, qu'un élu de Fétia
ne connaît pas obligatoirement quel est le patrimoine de la commune de Vérac et vice-versa, de la commune de Vérac à Solignac, ainsi de suite. On sait tous se déplacer, on sait tous aller sur notre territoire, on en a tous une image, mais connaître réellement le patrimoine architectural, le patrimoine paysager, le patrimoine agricole et que sais-je, enfin toutes les thématiques qui rentrent dans le cadre d'un PLUI, c'est une étape très importante et cette étape de diagnostic sera partagée par des groupes de travail thématiques où vous serez invités à représenter votre commune. À l'issue de ce diagnostic, arrivera la deuxième étape qui est le projet politique, un PADD. Donc ça, vous connaissez dans l'élaboration de votre révision générale. Et ce PADD, bien sûr, devra s'élaborer à l'échelle de Limoges Métropole. Donc deuxième étape importante dans laquelle vous serez invité. Et là, le législateur, pour être certain que le document a bien été co-construit entre l'EPCI et les communes membres, le débat du PADD, c'est-à-dire l'arrêt du projet politique, sera à la fois débattu en conseil municipal et avant d'être débattu en conseil communautaire. Donc là, première étape de validation de votre part sur le projet politique de Limoges Métropole. Ensuite, on rentre là dans les détails de plan de zonage, de règlement, enfin tout ce que les orientations d'aménagement, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du projet, à l'arrêt du projet. Là aussi, c'est une particularité du PLUI. Là, par contre, chaque conseil municipal devra voter, devra délibérer sur l'arrêt du projet avant que l'arrêt du projet soit soumis au conseil communautaire. Avec une particularité, c'est que si, à Fétia, lors de l'arrêt du projet qui vous sera soumis, vous ne retrouvez pas les intentions, les orientations qui avaient été débattu et arrêté lors des ateliers des groupes de travail concernant votre commune, je dis bien exclusivement votre commune, vous pouvez voter contre. Alors évidemment, le but du jeu, c'est que ça n'arrive jamais, mais c'est une des particularités. Si vous trouvez que sur votre commune, vous ne retrouvez pas les éléments qui avaient été débattus et arrêtés, à ce moment-là, vous votez contre, on remet le travail en ordre de façon à ce qu'on vous le représente à ce que le projet soit représenté une deuxième fois. Sauf que la seconde fois, il n'est pas remis au vote des conseils municipaux, il est directement mis au vote du conseil communautaire avec le deux tiers des voix. Donc, mais pour autant, évidemment, tout va être fait pour qu'il n'y ait pas de vote défavorable. Mais voilà, c'est une des particularités du PLUI. Une fois que le projet est arrêté, à ce moment-là, on redécline comme une procédure de PLUI, on passe à l'enquête publique, et puis à l'issue de l'enquête publique, à nouveau, les communes sont représentées par la conférence intercommunale des maires, donc ce sont les maires qui représentent leurs communes lors de cette conférence, pour approuver le PLUI avant qu'il aille au conseil communautaire. Donc on voit bien qu'à travers différentes étapes, vous serez du début à la fin concerné par le document. Et c'est, comme disait Christophe, l'intérêt, c'est qu'à la fois, il y ait les projets dits communautaires, portés par Limoges Métropole, mais également les projets communaux qui fassent, par l'effet de pyramide que l'on a vu tout à l'heure renversé, qui fassent remonter et alimenter le PLUI. Donc voilà, c'était au stade où on en est aujourd'hui maintenant pour vous parler, donner deux, trois éléments de calendrier. On est en train de préparer en amont du conseil communautaire, je reviens sur mon diapo, on est en train de préparer cette conférence intercommunale des maires qui devrait se situer pour les raisons de calendrier que vous connaissez tous entre les budgets municipaux qui arrivent au mois de mars, les élections présidentielles, les élections législatives. On va se retrouver dans un créneau qui va être au printemps, de façon à prendre une délibération de lancement par le Conseil communautaire avant l'été 2022. Donc, on va revenir donc, bien sûr vers les maires. Il y aura des ateliers thématiques qui seront mis en place, auxquels participeront les 20 maires. Ces ateliers thématiques, préalables à la conférence des maires, permettront aux maires de commencer déjà à débattre entre eux sur le pacte de gouvernance, sur la co-construction et sur les objectifs du PLUI, de façon à ce que la conférence des maires soit plus une chambre d'enregistrement parce que les débats auront eu lieu entre les maires au préalable.
Donc, le terme de calendrier, ça veut dire que, bon, voilà, délibération, on pense avant l'été. Ensuite, bon, ben après, vous connaissez tout le même système, c'est chez vous, hein, il faut lancer des marchés pour avoir des bureaux d'études, le temps de passer les marchés, l'analyse des offres, de choisir ses bureaux d'études. De façon très opérationnelle, on sera dans des premiers groupes de travail thématiques sur le diagnostic en début 2023. Et puis après, ben, c'est le but. C'est que 5-6 ans, on soit, donc ça pourrait, je le mets au conditionnel, hein, mais ça pourrait faire un PLUI qui soit à cheval sur deux mandatures. Donc, le gros objectif qui nous est assigné aujourd'hui, c'est qu'avant la fin de cette mandature, le projet politique soit arrêté de façon à ce que par la suite, la deuxième mandature, il y ait une continuité sur un projet politique qui aura été arrêté par les membres du Conseil communautaire. C'est bon ? Oui, ce stade-là, oui. C'est fini pour la présentation ? Pour la présentation, bon. C'est terminé. Donc maintenant, on peut accepter des questions, je pense. Voilà. On l'avait déjà évoqué, mais alors notre PLU, il sera approuvé à ce moment-là ? Comment on fait là ? Alors, on a le droit de continuer à faire vivre les PLU qui sont en vigueur, même ceux qui sont en cours de révision générale. Ouais. Je dirais pour le bon sens, mais c'est que si votre PLU qui est en cours de révision générale, ce serait bien qu'il soit approuvé avant qu'on en soit au niveau du projet politique, du PADD. Ouais, ça devrait normalement. Voilà. Donc avec le calendrier que je viens de vous donner, où on serait en phase opérationnelle à partir de 2023, sachant qu'un diagnostic sur l'échelle de 20 communes, ça va quand même prendre de temps, les groupes de travail, que l'objectif c'est que le PADD soit débattu avant à la fin de la mandature, ça laisse quand même quelques années pour terminer votre révision générale, de façon à ce que votre nouveau PLU puisse vivre un peu. Jusqu'à ce que le PLUI soit approuvé. Mais ça vaut le coup de le continuer. Ça vaut le coup de le continuer, bien sûr, sachant que dans le calendrier, voilà, il y a 2 ans, mais ça, et je veux pas. Si je fais un rétro-planning, il y a le temps d'élaboration de votre projet, donc l'arrêter, et ensuite, il faut bien prendre conscience qu'il y a tous les délais incompressibles. Qui sont liés à l'enquête publique, à la consultation des PPA, et ça c'est des mois d'attente, parce que vous le lancez en consultation, il faut attendre 3 mois, ensuite il y a 2 mois d'enquête publique, donc il se passe déjà 5 mois, vous allez presque perdre un semestre, donc il faut juste faire un rétro-planning pour que ça aille bien par rapport à l'arrivée du PLUI. Okay. Oui, Chantal Boutinou. Est-ce qu'il sera prévu des groupes de travail, des réunions de travail consultatives par rapport aux habitants et aux souhaits des personnes, des gens habitant la commune ? Il y a la même obligation réglementaire pour un PLUI que pour un PLU d'avoir la concertation publique. C'est une obligation. Donc là aussi, la conférence des maires, je ne l'ai pas précisé, mais on va rentrer dans ce point de détail, la conférence des maires et le conseil communautaire doit définir dans cette délibération de lancement les modalités de la concertation publique. Donc forcément qu'il va y avoir donc, à s'emparer de ce sujet. Déjà, il y a l'aspect réglementaire, donc celui-là, on ne peut pas y échapper. Maintenant, quel niveau de concertation on est en train d'y réfléchir, puisque là, on va être à l'échelle de 20 communes, comment est-ce qu'on va pouvoir toucher la population de 20 communes. Alors, c'est sûr qu'on va proposer des outils à la hauteur du projet, parce que par des retours de jugement de ce qu'il y a eu dans d'autres territoires de France, on a des retours d'informations pour dire, attention, il faut que la concertation publique soit à hauteur du projet. Donc, on va proposer, alors je ne pense pas dévoiler grand-chose qui n'est pas acté, mais on va proposer par exemple un site internet qui va être dédié, où les gens pourront avoir une plateforme où ils pourront amener de la contribution, des avis, les documents seront publiés au fur et à mesure de l'élaboration du document. Il y aura forcément des réunions publiques. Alors, sous quelle forme ? Aujourd'hui, je ne sais pas vous y répondre, mais il faudra qu'il y ait des réunions publiques. Il y aura des publications
dans le métropole de Limoges Métropole, mais on demandera peut-être aussi de la collaboration, puisque dans le cadre de la co-construction, ce serait logique qu'il y ait des publications dans les bulletins municipaux, des articles de presse. Enfin, on va mettre des outils qui seront à la hauteur, en tout cas, du projet, oui. Et peut-être, enfin, juste pour compléter, effectivement, en fait, il y a ce souci d'arriver à trouver en fait un juste milieu entre une information générale et arriver à toucher finalement le plus de monde. Et donc du coup, parmi ces éléments, alors qui reste à déterminer, le principe d'exposition itinérante peut être aussi un bon sujet pour venir en commune et permettre finalement d'avoir accès à l'information sur la construction du document PLUI. Peut-être des séances explicatives, mais en tout cas, en fait, l'idée d'avoir quelque chose d'itinérant pour aller toucher tous les habitants du territoire et sera sûrement aussi un sujet qui sera abordé et à valider avec les élus. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un élément technique qui est aussi une particularité du PLUI. Le législateur, il a bien pris conscience qu'on ne pouvait pas faire, à un moment donné, quand on va être à un stade où on va parler de règlement et d'OAP, c'est-à-dire le règlement, ça veut dire le règlement écrit, et également ce qu'on en appelle plus communément les plans de zonage, où apparaissent sur ces plans ce qui est en zone agricole, en zone naturelle, en zone constructible. Donc, c'est ce qui vous permet par la suite, et dans le cadre de la compétence du maire, de délivrer des permis de construire ou de les refuser. Donc, dans cet aspect spécifique, le législateur a bien pris conscience qu'on ne pouvait pas mettre un règlement unique sur un territoire comme celui de Limoges. On ne va pas mettre les mêmes règles de constructibilité entre le centre-ville de Limoges et puis des écarts de communes de deuxième ou troisième couronne. Donc, quand on sera au stade du PADD, qu'on aura également tous les éléments du diagnostic territorial, à travers ce diagnostic, on aura les identités propres de chaque commune et on pourra élaborer ce qu'on appelle des plans de secteur, c'est-à-dire que sur la base de critères qui resteront à définir, parce qu'il y a tellement de critères, il faudra déterminer lesquels, on pourra dire que, par exemple, la commune de Fétia, on estime qu'elle a des similitudes avec une autre commune de Limoges Métropole. Ou peut-être deux ou trois autres communes. Eh bien, on pourra décider, ça c'est un plan de secteur, alors la loi ne nous impose pas que ce soit deux communes limitrophes, ça peut être deux communes qui sont à chaque extrémité du territoire, mais sur ces communes-là, on élaborera des règlements identiques. Donc ça permet un peu d'harmoniser les règles, parce qu'aujourd'hui il y a 20 PLU, 20 règlements différents, donc ça vis-à-vis de la compréhension même des administrés qui, des fois, se retrouvent, juste pour l'exemple, vous passez de Fétia à Panazol, et puis y en a un qui a le droit de poser des tuiles rouges, l'autre qui a le droit de poser des tuiles noires, l'autre, enfin, c'est... Voilà. Donc, les gens, déjà, ça permettra d'harmoniser et puis d'adapter les règlements à des territoires qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Alors, l'idée, évidemment, ce n'est pas de remultiplier les plans de secteur, parce que là, l'État ne l'accepterait pas, mais c'est au moins de diminuer de façon très significative le fait d'avoir 20 règlements. Mais peut-être qu'on n'en aura que 4, 5, je ne sais pas. Enfin, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, mais enfin, voilà l'idée. Donc, ce qui fait que Fétia pourra vérifier que sur son territoire, le règlement est cohérent et qu'il est, et que ce n'est pas un copier-coller de ce qui se fait sur le reste du territoire de Limoges Métropole. La difficulté, donc, ça a été évoqué au Congrès des maires et même posé, et qui a répondu d'ailleurs franchement au président de la République, c'est effectivement tout le millefeuille qu'il y a derrière, hein, entre ce que fait l'État, le Stradet, le SCOT, pour arriver au PLU. Et pour coordonner tout ça, il y en a toujours un qui est en révision quand l'autre est fini, etc. Donc, c'est très, très compliqué. Et donc là, bon, j'espère, enfin, à mon avis, il y aurait des simplifications à faire. Et ensuite, nous, on le voit au niveau de notre PLU. Pourquoi notre PLU n'est pas encore arrêté ? Parce que chaque fois qu'on se réunit, les lois ont changé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrête quelque chose, on était parti à 80 hectares, je rappelle. Tu es arrivé à 35. La dernière fois, tu es à 22 parce qu'il y a des nouvelles lois. À un moment, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment une cohérence générale dans l'organisation, mais qui ne dépend pas de nous, hein, mais du législateur, qu'il faudrait à un moment
mettre, parce que sinon, ce ne sera pas possible avant de travailler. Quoi. C'est... Mais dans ce sens-là, il y a une date qui a été franchie, puisque sur la slide précédente, là, où on voyait l'effet d'entonnoir, oui. le PLUI, maintenant j'y reviens juste pour vous montrer comme il y a eu une évolution sur ce millefeuille. Maintenant, le PLUI, quand on parle de compatibilité, c'est-à-dire les flèches que l'on a décidées, le PLUI, aujourd'hui, lui, devra être compatible avec le SCOT. Oui. Parce que se posait la question au moment du rapport de compatibilité entre le STRADED, qui est un document régional, Nouvelle-Aquitaine, oui. et le PLU, oui, ou les PLUI. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a été par contre acté. D'accord. Le PLUI ne devra se mettre en compatibilité qu'avec le SCOT, qui lui-même doit se mettre en compatibilité avec le STRADED. Mais il n'y a plus le lien STRADED-PLU. Parce que PLUI. Ça devenait ingérable. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est dommage, c'est que ces documents-là sont des documents extrêmement importants pour l'avenir de notre territoire, aussi bien sur le plan économique, sur le plan de l'habitat, et sur le plan de la mobilité, évidemment. Donc, quand on a des évolutions qu'il faut faire et que ça prend trop de temps, ça pénalise notre territoire. Si demain, je dois mettre 12 mois ou 36 mois pour développer une zone économique, ben pendant ce temps-là, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'entrée, et les gens vont ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, on le sait tous, on en a assez parlé, on connaît bien le sujet, et donc voilà, c'est vraiment qu'il faut bien que les gens aient conscience que c'est extrêmement important et que bien sûr alors bien sûr pendant qu'on le fait, les autres PLU restent valables, mais c'est, est-ce qu'on peut dire un mot si, parce qu'on sait très bien que quand un PLU est arrêté, c'est comme le PLU, le lendemain déjà il faut le modifier, parce que voilà, donc est-ce que les règles de modification du PLUI pourront se faire par secteur? C'est-à-dire à Fethia, par exemple, on a une évolution, je prends, mais j'aurais pu prendre Verneuil ou à Verneuil, tiens, voilà, ne soyons pas chauvins. À Verneuil, il y a une zone qui n'était pas prévue, qui va se créer. Comment ça va se passer là, si on a besoin pour notre territoire de faire des révisions simplifiées, enfin, est-ce qu'elles existeront toujours? Le régime de gestion, entre guillemets, je vais appeler ça de gestion du PLUI, sera le même que le régime de gestion d'un PLU. Aujourd'hui, on continue à faire évoluer les PLU, alors soit parce qu'il y a vraiment une opportunité de oui. style économique qui justifie qu'on modifie la règle, soit parce qu'il y a un projet communautaire. Il y aura la même réflexion. La seule chose qu'il faudra à chaque fois, et en particulier si on parle de développement économique, c'est qu'il y a bien un lien de compatibilité entre la modification qu'on veut apporter dans le document d'urbanisme, le PLU, avec les schémas de Limoges Métropole et avec le SCOT. Mmh. C'est-à-dire que, ce que je veux dire sans rentrer dans le détail, mais si demain matin, il y avait une évolution de la stratégie de développement économique sur Limoges Métropole à l'issue de l'approbation du PLUI. Hein. C'est bien la question. Oui, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, ça voudra dire qu'en amont, il faudra qu'il y ait débat entre le PCI et le SCOT pour que ça soit inscrit, parce qu'on ne peut pas modifier un document pour le rendre incompatible avec le document supérieur. C'est... Voilà. Mais le SCOT rassemble 4 PCI au sein desquels il y a celui de Limoges Métropole et qui ont leurs représentants. Donc là, on voit bien que ça, c'est une réflexion globale qui se prend à l'échelle, comme on le disait à l'instant. C'est-à-dire que sur ce sujet, finalement, en fait, hein, qu'on voit à travers les plans locaux de l'habitat, de déplacement. L'économie sera la même chose, c'est-à-dire qu'il faut arriver par ce temps de diagnostic pour arriver au PADD à construire finalement des stratégies qui seront justes et cohérentes en fait avec l'objectif qu'on se donne pour notre territoire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ces objectifs-là, ils sont portés de manière forte par les maires, mais ils sont traités en fait à l'échelle des communes, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque du coup, on l'a vu notamment sur la route de Toulouse, l'entrée échangeur 36. On arrive très bien à travailler à l'échelle de plusieurs communes, mais ça reste encore des choses peut-être un peu partielles. Et l'objectif finalement de ce PLU intercommunal, c'est de travailler l'intercommunalité, c'est-à-dire arriver à travailler à des échelles de 2, 3, 4, 5 communes. C'est vrai pour le volet économique. On pourrait citer également peut-être la valorisation de la vallée de la Vienne, mais de la Valoine, de Laurence, en fait, avec des continuités sur plusieurs communes et qui font que, en fait, c'est pas
quatre projets communaux, mais c'est bien un seul projet intercommunal où les communes s'entraident et participent à la valorisation de ce projet-là. Donc, toutes les thématiques sont vraies. C'est vrai pour l'économie. Ce sera évidemment vrai pour l'habitat. Ce sera vrai pour les transports et déplacements. C'est finalement ce petit i intercommunal, en fait, vise à ce qu'on travaille mieux ensemble et qu'on arrive à produire un vrai projet stratégique qui soit au bénéfice de l'intercommunalité. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Non ? Bon, on aura l'occasion d'y revenir, de toute façon, comme ça a été dit. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été présents ce soir, une heure tardive, pour nous le présenter. Mais c'est aussi, ça montre l'intérêt que Limoges Métropole a pour les communes et la volonté de travailler avec, évidemment, les élus communaux, puisque le sujet de la libre administration des communes est quand même quelquefois un petit peu remis en question, mais libre administration des communes, ça veut dire aussi travailler avec les autres. C'est pas uniquement, voilà, on le voit bien, ben on l'a vu sur la route de Toulouse, où l'avis des deux maires ont été respectés, et on essaie, voilà, on le fait dans un autre cadre, mais il faut que cet avis, vie du maire et des élus locaux, reste quand même, puisse être donné, et ça sera le cas, puisque les conseils municipaux devront valider, voilà. Donc, on peut dire que rien n'échappe finalement quand même, parce qu'on ne peut pas tout gérer de façon centralisée. Hein. Et même si une commune, ça ne semble pas très grand, on le voit sur Fethia, c'est quand même les élus communaux qui connaissent le mieux et à plusieurs qui réfléchissent sur un territoire, même si au niveau de Limoges Métropole, après tout ça sera synthétisé et harmonisé. Voilà un petit peu ce que je voulais ajouter. Donc merci beaucoup et puis à bientôt pour travailler sur le PLUI. Et nous, on continue à travailler sur le PLU. Et j'espère qu'on va pouvoir arrêter parce que c'est pas qu'on n'en a pas envie, mais voilà. Bon, je vous raccompagne. Bien. Alors, vous pouvez reprendre. Non, mais on va rester. On va rester comme on est, de toute façon. Voilà. Bien. Bah écoutez, merci de votre attention et on continue donc à ce conseil municipal puisqu'on avait noté les différentes procurations. Donc je passe maintenant à la délibération numéro 1 qui est la mise en place d'un nouveau protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail. Donc avant de passer à la délibération et au vote et aux questions s'il y en a. Là, je vous rappelle que cela concerne la mise en place d'un nouveau protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail. La délibération du 21 décembre a mis en place le protocole a mis en place le protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail appliqué à compter du 1er janvier 2002. Vous voyez, on revient 20 ans, donc vingtaine d'années en arrière. La loi de 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, article 47, met fin aux dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures, hein, qui est prévue, à compter du 1er janvier 2022. Par conséquent,
il est nécessaire de revoir le protocole sur l'aménagement du temps de travail, puisque nous n'étions pas à ces 1607 heures. Concrètement, donc au 1er janvier 2022, les jours du maire qui étaient accordés avant, les jours d'assiduité, certaines autorisations d'absence pour convenance personnelle ne pourront plus être accordées. Un groupe de travail composé de représentants des organisations syndicales, du maire, de la directrice générale des services et de la directrice des ressources humaines a été mis en place en octobre 2020 pour travailler sur ce dossier en termes d'organisation du travail et de compensation. Les encadrants des services extérieurs ont été invités à deux des réunions afin de leur présenter les pistes envisagées. En novembre, une enquête a été remise à chaque agent de la collectivité pour présenter ce qui changeait au 1er janvier 2022, connaître les préférences en matière de cycle de travail et sur les pistes de compensation. 87 questionnaires ont été retournés sur 103 distribués, ce qui est quand même pas mal. Donc, les résultats, donc on a fait une réunion un petit peu de synthèse. La grande, du coup, on va changer de protocole, puisque la grande majorité des agents qui étaient à 35 heures souhaitent travailler 36 heures et bénéficier de 6 jours d'ARTT. Sur les compensations, les deux propositions qui ont remporté le plus de suffrages de la part des agents, c'est la mise en place d'une prime d'activité liée à l'assiduité versée en CIA, complément indemnitaire annuel du RIFSET, et enfin de bénéficier de titres restaurants. Lors de la réunion du comité technique du 3 décembre dernier, ces propositions ainsi que le projet de protocole ont reçu un avis favorable. Voilà, donc c'est bien sûr, alors c'était l'occasion au bout de 20 ans de reparler un petit peu de, à la fois des cycles de travail et de toutes les décisions que nous avions prises à l'époque concernant les différents jours d'absence, ça nous a été imposé. Je voudrais remercier le travail de la directrice générale des services avec la directrice des ressources humaines qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et bien sûr avec les remercier les organisations syndicales et les agents qui ont participé à toutes ces rencontres et ces questionnaires, parce que le résultat dépendait finalement du travail en amont. C'est-à-dire que ce travail de résultat qui a été sur lequel en tout cas on est tombé d'accord, bien est le résultat d'un très gros travail d'écoute et des salariés et de débats qui ont eu lieu avant. Donc merci encore pour ce très gros travail, parce qu'à chaque fois changer un protocole d'accord sur une collectivité qui a presque 100 personnes, c'est pas une mince affaire, hein, et en essayant de léser personne, surtout là où bon, ça nous était imposé. Donc voilà, donc on a trouvé un accord, il vaut ce qu'il vaut, hein. C'est un accord, c'est un accord, et puis de toute façon gérer 100 personnes pour contenter vraiment tout le monde, c'est toujours très difficile, mais en tout cas on est allé vers ce qui nous semblait le plus profitable et le plus cohérent. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors je ne vais pas relire le protocole d'accord maintenant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, je vous propose donc d'abroger et de remplacer la délibération du 21 septembre 2001, c'est historique, hein, relative au protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, par la présente délibération et son protocole joint, d'approuver les dispositions relatives au nouveau protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail des agents de la commune exposés dans le document 6 juin, de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce protocole, sachant que derrière, en ressources humaines, il y a plein de choses à reparamétrer et à changer. C'est-à-dire qu'il y a eu du travail en amont, mais il y en a en aval également, puisque tout ça doit rentrer en musique, disons, pour que tous ces éléments soient bien pris en compte, puisqu'après, vous voyez, on va changer le nombre d'heures, donc ça joue sur les heures supplémentaires s'il y en a, sur l'annualisation. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très, très compliqué. Et encore une fois, j'insiste, je remercie tous ceux qui ont participé à ça, et la DGS et la DRH, qui sont chargés de la responsabilité de ce dossier. Oui, je voulais juste prendre la parole pour faire juste une remarque de lecture. Dans le tableau, page 17, quand on parle de RTT, j'ai bien compris ce que vous aviez dit tout à l'heure, monsieur le maire, par rapport aux 6 jours par an donnés pour maintenant un passage à 36 heures.
Mais juste dans la lecture, sur le nombre de jours d'ARTT, dessous, on voit crédité par semestre. Je comprends la démarche, mais au niveau lecture, ça pourrait créer un doute sur les 6 jours et les 18 jours pour les 30 et 38 heures. Donc, c'était juste une remarque de lecture. D'accord. On pourrait penser que c'est par semestre, alors que c'est réellement par an. Oui, donc, oui, voilà, oui, c'était juste sûr, cette remarque que je voulais faire. Oui, d'accord. Qu'il n'y ait pas de quiproquo dessus. Bien. Je ne sais pas si on peut préciser plus ou. Mais bon. Les agents avaient bien compris. Nombre. Après, ça a été fait avec les agents. Hein. C'est un document technique, effectivement. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, mais je mets au vote ce projet de ce protocole, donc. Qui est-ce qui s'oppose à ce protocole sur la durée du temps de travail? Qui est-ce qui s'abstient? Bien, mais je vous remercie pour tous ceux qui ont fait son travail. Ouais. Ensuite, délibération donc numéro 2. Donc là, c'est une délibération qui concerne la modalité de mise à disposition de véhicules municipaux, donc c'est très technique, considérant que la ville, alors relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents à l'occasion du service, considérant que la ville dispose d'un parc automobile, il s'avère nécessaire d'en préciser les règles d'utilisation afin de responsabiliser les agents ayant recours aux véhicules municipaux. C'est ainsi que la mise à disposition d'un véhicule aux agents de la collectivité doit être encadrée par une délibération annuelle du conseil municipal lorsque l'exercice du mandat ou des fonctions le justifie. Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer la liste des emplois pour lesquels un véhicule de fonction est attribué. Et je propose, aucun emploi n'est concerné. De fixer la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile d'un véhicule. Le maire, le directeur des services techniques, les agents en astreinte à titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle. D'adopter le règlement ci-dessous pour l'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile. Article 1. Interdiction de principe du remisage à domicile. Les véhicules de service mis à disposition des agents communaux sont destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles. Cette interdiction s'applique à tous les véhicules de service. Toutefois, pour des raisons de facilité d'organisation et dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de leur service à domicile. Modalité d'autorisation au remisage d'un véhicule de service. Dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par le maire ou la DGS à remiser leur véhicule à domicile. L'autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle et doit faire l'objet d'un arrêté d'autorisation de remisage à domicile du véhicule de service. L'autorité territoriale aura au préalable ou concomitamment délivré à l'agent concerné un ordre de mission ponctuelle ou permanent. En cas d'ordre de mission permanent, un arrêté nominatif sera fait. Dans le cas du remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit. L'agent s'engage à n'utiliser le véhicule qu'à l'usage exclusif des missions qui lui sont confiées et à effectuer le trajet domicile-travail selon le trajet le plus court. En tout état de cause et selon les préconisations de l'URSSAF, l'utilisation d'un véhicule service pour des déplacements personnels constitue un complément de rémunération soumis aux contributions sociales et impositions en vigueur. De plus, l'agent s'engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à clé le véhicule, ainsi qu'à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d'attirer l'attention, responsabilité. Attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigé contre une personne morale de droit public, qu'elle a la propriété ou la garde. L'administration n'est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent si les dommages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle. Après avoir assuré la réparation des dommages, l'administration dispose d'une action récursoire contre son agent si elle estime qu'il a commis une faute personnelle. Pendant le remissage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et toute dégradation. C'est pourquoi l'agent devra au préalable contracter une assurance couvrant les risques liés au stationnement. Si l'agent établit que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction et violence corporelle, sa responsabilité ne sera pas mise en cause. Pour cela, le récépissé de déclaration, etc. En cas d'accident, un constat amiable, bien sûr, doit être impérativement rempli et adressé à la Direction générale des services. La commune est responsable des dommages subis par l'utilisateur dans le cadre de son service.
L'accident dont peut être victime l'utilisateur au cours d'un déplacement professionnel est considéré comme un accident du travail. Toutefois, la faute de la victime peut être une cause d'exonération de la responsabilité de l'employeur. La responsabilité de la commune saurait être engagée à raison des dommages corporels subis par l'utilisateur en dehors du service. En matière de contravention de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est soumis au droit commun de la responsabilité. Il encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur véhicule. Il doit s'acquitter lui-même des amendes. Il convient donc que l'agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute contravention dressée à son encontre pendant son service, même en l'absence d'accident. Il doit signaler également la suspension de son permis de conduire, vaudrait mieux, et le retrait de points lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si ces mesures interviennent à l'occasion de la conduite d'un véhicule personnel. En effet, l'agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire s'il ne révélait pas à son responsable la suspension ou l'annulation de son permis de conduire. Voilà. En cas d'absence prévue supérieure à 3 jours, le véhicule devra rester à la disposition des services municipaux, etc., etc. Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur et simple de l'attribution du véhicule. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Bien. Qui s'oppose à cette note, à cette délibération ? Qui s'abstient ? Bien, je vous remercie. Ensuite, règlement des salles sportives municipales. Donc, alors Marie-Claude Bodden a dû s'absenter, qui devait lire cette délibération. N'a pas pu être là pour des raisons familiales et personnelles que l'on comprend bien. Donc, c'est Alain Gerbeau qui, délégué au sport, bien sûr, va nous faire. Alors, il n'a pas de chance parce qu'il n'y avait qu'un micro qui est cassé, c'est le tien. Alors, je rappelle de ne pas toucher les micros. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des tics, des fois. Voilà. Donc, on va le faire réparer, mais espérons, on va pouvoir trouver. Non, je ne vise personne, bien sûr, en disant ça. Bien, je passe la parole à Alain Gerbeau, qui a un micro baladeur. Oui, comme vous le savez, on nous disposons de nombreuses salles municipales, donc il était nécessaire d'en réglementer l'usage. Et donc, vous l'avez en annexe, j'espère que tout le monde l'a bien lu. Donc, ça concerne tous les gymnases Roger Coudert, gymnase Chazalon, salle de gym, dojo, et toutes les salles où on pratique les activités sportives. Donc là, il a été, ça a été quand même un travail assez, assez long, même si les bases existent au niveau de la réglementation. Par exemple, en utilisation, les équipements sportifs sont aussi mis à disposition des groupes scolaires et des associations sportives de fêtiens dans le cadre de leur activité sportive respective. Les utilisations non sportives à titre exceptionnel et sur demande font l'objet, après accord, d'une convention entre la structure et la commune par rapport au service de gestion des manifestations. La municipalité se réserve le droit d'occupation et d'utilisation des équipements ainsi que leurs annexes. Elle se réserve également le droit d'annuler un stage, une rencontre ou une activité pour permettre la tenue d'une compétition officielle. Au niveau de la surveillance des installations sportives est confiée à des gardiens et des employés municipaux. Donc, les usagers doivent respecter les créneaux attribués, les heures ouvrées du gymnase, ainsi que toutes consignes données par les agents municipaux. Des clés sont remises aux responsables de chaque structure. Il est formellement interdit d'en faire les doubles. Toute demande de clés supplémentaires sera faite par écrit à la commune. Et nous disposons d'un listing où tous les utilisateurs ont les clés. Nous avons un listing. Donc, il y a tous les encadrants, les entraîneurs et ainsi de suite. Il y a un planning d'utilisation des salles. Il est établi chaque saison pour savoir les occupations, parce que ça gère au niveau des services manifestation. Par exemple, pour le chauffage des salles et ainsi de suite, ils sont obligés d'avoir tous les plannings d'utilisation. Je ne vais pas tout vous dire. Chaque président d'association va signer justement ce règlement
et le faire appliquer du mieux possible. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le règlement, il sera affiché partout. Donc, tout le monde en aura connaissance. Donc, on ne pourra plus dire, ensuite, par exemple, après chaque séance, il faut éteindre les lumières, s'assurer que les robinets sont fermés, que les portes et tous les accès sont fermés, qu'aucune dégradation n'a été commune. Sinon, dans ce cas-là, il faut faire un rapport à la commune pour voir au niveau des dégradations, ce qui peut aussi arriver hein, sans... Donc, il y a aussi l'utilisation des salles de convivialité au niveau de l'espace Roger Couder. Donc, il y a deux salles de convivialité, une pour le CSF et une pour le basket. Donc, elles sont séparées, mais par une entente entre les clubs sportifs, elles peuvent être mises ensemble. Hein. Ça peut arriver au niveau des ententes interassociatives. Après, au niveau de la publicité, l'affichage, la publicité des sponsors doit se faire à l'intérieur et des emplacements très spécifiques. Il est interdit d'afficher partout sur les murs avec des punaises, du scotch et ainsi de suite. Il est interdit de fumer dans les gymnases. Il est même marqué de cracher du chewing-gum. Oui, ça me semble normal. Et avoir des chaussures adaptées pour aller notamment au gymnase ou sur le basket parce que c'est quand même assez fragile. Donc ensuite, il y a les plans d'évacuation au niveau de la bon, toute dégradation, bien sûr, est imputée après enquête s'il y a. Et il faut systématiquement le signaler à la mairie ou à l'agent d'astreinte si c'est le week-end, de façon à que tout le monde en soit informé. Donc ensuite, la salle d'évacuation Émilie Lepennec. Donc vous avez le plan d'évacuation qui est obligatoire et qui est affiché, bien sûr, dans ces locaux. Donc voilà, je vous demande d'approuver ce plan, ce règlement. Bien, merci. Merci à tous ceux qui ont contribué, aux élus notamment, qui ont contribué à la réalisation de ce document, qui est un peu comme le protocole d'accord tout à l'heure, là, est un protocole d'accord avec toutes les associations. Et Dieu sait que, voilà, hein, nos locaux, vous savez, sont utilisés de façon intense, et tant mieux. On l'a vu encore ce week-end à Couder, où il y avait un match de foot important de haut niveau et un match de basket important de haut niveau. Et finalement, tout le monde a pu vivre ensemble. Et on aurait même pu faire une rencontre de haut niveau dans la salle Émilie Lepennec de gym. Et ça aurait pu fonctionner également. Donc, je suis assez satisfait de tout cela. Mais c'est vrai qu'il faut des règlements. Il faut aussi les faire respecter. Donc, nous sommes en cours de recrutement, je l'ai dit, de deux gardiens, ça prend du temps parce qu'ils vont avoir des emplois du temps compliqués, bien sûr, parce qu'ils vont travailler quand il y aura du monde, c'est-à-dire le soir et les week-ends. Donc, on est en train, Stéphanie, de peaufiner tout ça. Voilà. Donc, on a des candidats et on va leur répondre en fonction et faire des propositions. Voilà. Donc, merci en tout cas pour ce travail. Est-ce qu'il y a des questions sur ces documents? Alors, les élus, il y avait Marie-Claude Bodin, Alain Gerbeau, qui c'est qui a travaillé, Jean-Marie, il y a d'autres, ben, je ne sais pas qui a d'autres à travailler dessus. Enfin voilà, enfin, et les autres, en tout cas, merci pour ce très long travail. Pas de questions particulières. Donc, à appliquer sur le terrain maintenant si vous le votez. Voilà. Qu'est-ce qui s'abstient? Qu'est-ce qui vote contre? Eh bien, merci pour eux. Et ça nous permettra d'avoir un cadre pour tous nos équipements. Donc, ensuite, avenant la délibération numéro 4, donc, je vais passer la parole à Jean-Marie Mignot. Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous rappelle le marché conclu en 2015 pour une durée de 8 ans. Avec la société RV Thermique pour des prestations d'exploitation et de maintenance des installations thermiques de la commune. Ce marché fixe à notre prestataire des objectifs qui permettent un partage des gains en fonction des économies réalisées. Par exemple, sur cette année, nous avons économisé 2 926,44 euros,
donc, qui seront reversés pour notre commune. Il convient aujourd'hui de conclure un avenant, le numéro 7, au marché, afin de fixer les cibles de consommation à la fin de la saison de chauffe 2020-2021, modifier les annexes financières pour la saison 2021-2022, inclure les nouvelles installations thermiques du gymnase Roger Couder et inclure un climatiseur à la mairie, celui de la salle informatique. Les cibles de la saison de chauffe 2020-2021 seront conservées pour la saison de chauffe 2021-2022. Elles sont fixées sur la base de 2408 degrés jours unifiés, communément appelés DJU. Les consommations estimatives permettent l'établissement des acomptes quadrimestriels que vous trouverez dans les tableaux pages 9 et 10 de l'avenant. Avec la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel supportant une TVA à 20% et en application de l'article 4 de l'avenant numéro 3 du 5 octobre 2016, le poste P1, c'est-à-dire la fourniture et la gestion de l'énergie, suivra un échéancier au quadrimestre les 31 décembre 2021, 30 avril 2022, 31 août 2022, sur la base de 35 734,55 euros hors taxe. À cette somme s'ajoutent l'abonnement et la CTA, c'est-à-dire la contribution tarifaire sur l'acheminement, dont la TVA est à 5,5%. Qui seront également réglés au quadrimestre suivant le même échéancier avec une somme de 4513,28 euros hors taxes par quadrimestre. Le poste granulé bois pour le groupe scolaire Ferdinand-Buisson est conservé pour la saison de chauffe 2021-2022 à 4646,33 par quadrimestre. Pour le poste P2, qui est l'entretien et la maintenance du matériel, une modification est nécessaire du fait de l'extension de Couder ainsi que de l'installation d'une climatisation pour la salle informatique. Cette prise en charge entraîne une incidence financière sur le poste de Couder de plus 1334 euros et de plus 165 euros pour le climatiseur. Ce poste passe donc de 20 413 à 21 912 euros hors taxes. La prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couder entraîne une modification de la cible de consommation qui est actuellement de 178 MWh. La saison de chauffe 2021-2022 sera considérée comme année d'observation puisqu'on n'avait pas de référence avant. Le nouveau nombre de base dont vous trouverez l'acronyme NB dans vos tableaux sera fixé à l'issue de cette année d'observation. En conséquence, pour la saison 2021-2022, l'intéressement sera neutralisé et le poste P1 sera refacturé sur les bases des consommations réelles. Compte tenu des résultats obtenus sur le site de la Poste, puisque locataire, les cibles qui est actuellement de 38 MWh est ramenée à 28 MWh. Donc une économie là aussi qu'on ne peut que se féliciter pour l'environnement. La modification du poste P3, qui est la garantie totale et renouvellement des équipements. Alors, c'est un peu technique. La prise en charge des installations nouvelles du gymnase Roger Couder entraîne une incidence financière sur le poste P3 de plus 533 euros et celle du climatiseur du local informatique de plus 110 euros. Le poste donc P3, qui était précédemment à 50 483,34 sur l'avenant numéro 5, est porté à 51,126,34 euros hors taxes. Donc, c'est sur de la mise en charge. Je vous informe de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres qui s'est déroulée le 10 décembre 2021. Donc, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Avant de vous demander votre accord pour autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 7 avec la société Hervé Thermique, et de donner à M. le maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Bien, merci pour ces précisions techniques qui montrent que ces marchés que l'on a nous permettent quand même de mieux maîtriser l'énergie et les équipements qu'on avait avant. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Mme Boutineau? Oui. Je voulais juste savoir si les dépenses qui ont été mises en place pour le chauffage
étaient contrebalancées par les locations des équipements sportifs? Ou est-ce que c'est complètement... Alors, les locations des équipements sportifs ne sont pas louées. Hein. Ils sont prêtés. Ils sont là pour les associations, les écoles, etc. Donc, on ne loue pas les équipements sportifs. En fait, comme tout à l'heure, Alain l'a précisé, les plannings des occupations des salles sont faites justement pour générer les abacs et les courbes de chauffage, de façon à ce que la personne qui rentre, je sais pas moi, admettons le lundi, il y a pas du tout d'occupation dans le gymnase, mais le chauffage il est un minimum, en sachant qu'il y a de l'inertie, donc tout ça est pris en charge, et en fait c'est un auto-apprentissage et des réglages qui sont réalisés avec la société, notre prestataire Hervé Thermique, qui a jusqu'à présent une très bonne réactivité. Notamment cette année, on a eu des problèmes sur l'école avec le stockage du bois. Ils ont trouvé une solution qui nous a permis d'avoir 100% de chauffage avec les granulés bois. Puisque pour l'école, il y a le chauffage de la chaufferie granulés bois et en secours une petite, ça reste relatif, chaudière gaz qui prend le relais au cas où. Bien. D'autres questions? Bon, des versions très techniques, hein, mais chaque fois, effectivement, que nos équipements évoluent, la convention doit évoluer elle aussi, sinon, voilà. Donc, merci pour ces précisions. Je mets au vote, qui est-ce qui s'abstient sur cet avenant? Qui est-ce qui s'oppose? Merci. Alors, on continue maintenant avec Nicolas qui va nous parler des dénominations de voies sur la commune. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la réalisation du lotissement de la lande du Magotier, hein, je vous encourage à regarder le plan que vous avez en annexe, il y a lieu de dénommer les voies internes de ce projet. Considérant que le nom de nos rues reste pour beaucoup à consonance masculine, nous avons voulu mettre à l'honneur deux femmes remarquables au destin exceptionnel. Tout d'abord Louise Michel, institutrice, écrivaine, militante féministe et l'une des figures, comme vous le savez, majeures de la Commune de Paris. Ensuite, Madeleine Bresse, qui est un peu moins connue, mais qui est la première femme française à avoir pu accéder aux études de médecine. Elle a obtenu son doctorat en 1875 et elle exercera par la suite en puériculture. Ainsi, par la dénomination de ces deux voies, nous souhaitons rendre hommage à ces deux grandes femmes en ancrant leur nom dans notre mémoire collective. Et je vous propose donc, après en avoir délibéré, de valider ces deux appellations et de donner à Monsieur le maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Bien. On peut se réjouir d'aller vers une parité un petit peu plus forte. C'est ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et encore, je mesure mes mots, voilà. Bon. Donc, c'est un début. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce début, ou s'abstient? Je ne crois pas. Merci quand même. Alors là, je vais reprendre la parole pour la délibération numéro 6, admission à non-valeur. C'est jamais une belle nouvelle, mais... Donc, les titres de recettes sont émis à l'encontre des usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la commune. Certains de ces titres restent impayés malgré diverses actions du Trésor public. Et aussi des élus qui font des actions. Monsieur le maire fait part de la saisie par le trésorier principal de 3 demandes d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Admission en non-valeur à la suite de décisions d'effacement des dettes compte 6542 pour un total de 808,88 € du restaurant scolaire. Admission en non-valeur à une combinaison infructueuse d'actes trop perçus sur salaire pour un total de 711,87 €. Admission en non-valeur suite à un recouvrement compromis, poursuite sans effet, compte 6065,41 € et pour un total de 313,50 €, restauration scolaire. Ces montants seront prélevés sur les crédits inscrits à cet effet sur le budget de la commune. Bien. Oui. Je note qu'il y a deux lignes sur la restauration scolaire. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? C'est des non-paiements de parents de cantine
Oui, oui, oui. Essentiellement. Oui. Et encore, là, il n'y en a pas trop parce qu'à une époque. Voilà. Ouais. Oui, au niveau du CCAS, on essaye de les recontacter. Mais si le CCAS doit aider à payer les dettes, ça revient au même que de mettre en non-valeur. Hein. Voilà. Oui. Mais enfin, quand même, on essaye de recontacter les parents, surtout au niveau de l'accueil de loisirs, pour leur dire qu'il faut quand même qu'ils mettent en place un échéancier avant de réinscrire l'enfant tout l'été éventuellement. Parce voilà. que les notes d'été sont des notes importantes. Et justement, ma précision après, c'était quelles étaient les conséquences pour justement les personnes qui n'avaient pas payé. Alors, pour le restaurant scolaire, on n'a jamais empêché un enfant de manger, hein, ça c'est clair. Voilà. Mais on essaye quand même de dire aux parents, en fait, quand ils sont recontactés par le CCAS, de mettre en place un échéancier avec la trésorerie. Surtout quand ce sont déjà des gens qui sont aidés dans le cadre des aides du CCAS à 25%, 50% et 75%. Oui, parce que c'est déjà des non-payés aidés, quoi. Ça peut être, pas voilà. systématiquement. Mais, ça peut être. Mais merci là aussi à Catherine et au service comptabilité à la DGS qui font un suivi, parce que ce n'est pas 808 euros qu'on ferait s'il n'y avait pas un suivi. Ça serait des fois, c'est monté jusqu'à combien ? Plusieurs milliers d'euros. Hein. Voilà. Et il a fallu rattraper. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? Alors, décision modificative numéro 2, budget annexe, la biche 2. Donc, ce sont les terrains que l'on vend. Donc, à la suite, alors c'est bien sûr une écriture comptable, hein, qu'à la suite de la vente de deux terrains dans le lotissement de la biche 2, le budget annexe est en mesure de commencer le remboursement de l'avance consentie par le budget principal. Donc, on fera un versement de 83 540,57 € pour être effectué suite aux écritures budgétaires suivantes. Voilà. Donc, ça concerne, je ne vais pas tout vous dire en détail, mais simplement la réintégration de ce que le budget principal a avancé au budget annexe. Je rappelle qu'il y a 8 terrains à vendre. À ce jour, ils sont soit vendus, soit pris par une option. Ça a été très rapide. Et je pense qu'on va avoir d'autres demandes auxquelles on ne pourra pas répondre. Voilà. Qui est-ce qui s'oppose à cette DM du budget annexe ? Je précise bien. Qui est-ce qui s'abstient ? Merci. Alors, là, c'est une délibération annuelle qui nous autorise, pour me donner l'autorisation, donc de commencer la nouvelle année qui approche à grands pas. Donc, je vous rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, puisque nous, on l'adopte qu'au mois de mars, mais on pourrait très bien l'adopter effectivement en décembre, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider ou de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, à la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il indique au conseil municipal que dans l'attente du vote du budget primitif 2022, le maire n'est autorisé à engager et à régler sur la section d'investissement, par contre, que les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette, venant à échéance avant le vote du budget. Et pour les autres dépenses d'investissement, il est limité au reste à réaliser. Toutefois, il indique au conseil municipal que selon les articles 15 à 22 de la loi du 5 janvier 1998, le maire peut être autorisé par le conseil municipal à engager, liquider et mandater les dépenses sur la section d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent. Déduction faite des comptes 16 et des opérations d'ordre d'investissement. Donc, si on calcule tout ça, et vous avez le calcul, eh bien, il est possible d'affecter le quart de cette somme aux autorisations spéciales, c'est-à-dire 824 646,85 €, avec 250 000 euros, chapitre 20, 21, 250 000, et chapitre 230, 324 646 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou est-ce qu'on peut commencer l'année ? Bien. Personne qui s'abstient, qui s'oppose. Alors, c'est ce qu'on peut dépenser, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les dépenser non plus. Donc,
Là, je ne vais pas tout lire non plus, puisqu'on vous avait parlé que nous sommes une commune pilote, puisqu'on change de norme comptable. On était à la norme M14, et maintenant on passe à la comptabilité M57. Donc, il faut mettre bien sûr en place, et Karine Berthier, la directrice des finances, sera chargée de ça, de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022. Là aussi, ça approche. Fixation du mode de gestion des amortissements et des immobilisations, fongibilité des crédits, instauration d'un règlement budgétaire financier, voilà, pour la durée de la mandature. Donc, par délibération du 29 juin 21, vous en rappelez, on s'est engagé à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. La M57 est l'instruction la plus récente, la plus avancée, on a de la chance, en termes d'exigences comptables, et la plus complète. Elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences susceptibles d'être exercées par les collectivités territoriales. La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique de fixer le mode de gestion des amortissements et des immobilisations. Elle permet de mettre en place un assouplissement de gestion très encadré permettant des virements de crédit entre chapitres et prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature. Donc, fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57. Donc, le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et de neutralisation des dotations aux amortissements, d'accord. Le champ d'application des amortissements des communes et de leurs biens publics reste défini comme avant. Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé, à l'exception des œuvres d'art, des terrains, autres que les terrains de gisement. Bon, on n'a pas trop découvert pour l'instant. Des frais d'études et d'insertion suivis de réalisation, des immobilisations remises en affectation ou à disposition, des agencements et aménagements, des immeubles non productifs de revenus. Donc, les communes et leurs établissements publics n'ont pas l'obligation d'amortir les bâtiments publics et les réseaux et installations de voiries. Donc, etc., etc. En outre, il est proposé d'appliquer les durées d'amortissement présentées dans l'annexe 1, le calcul de l'amortissement de manière linéaire avec l'application du prorata temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2022. La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation du prorata temporis. Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque sous la M14, la commune calculait les dotations aux amortissements en année pleine. Vous voyez, c'est des détails. Mais si on achète quelque chose au 1er juillet, ben on amortit 6 mois. Voilà. Comme on le fait dans d'autres comptabilités, d'ailleurs, publiques. Hein. Voilà, parce que vous savez, que je l'ai dit la dernière fois, il y a la M14, la M49, la M, etc., suivant les collectivités, enfin les syndicats, etc. Donc, voilà. Les plans d'amortissement qui ont été commencés, ben oui, sous la M14, se poursuivront comme ils l'ont été dès l'origine. En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d'immobilisation faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire, bien acquis par l'eau, petit matériel, etc. Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d'une approche par enjeu, d'aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 600 euros. Il est proposé que les biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Voilà, parce que là, ça ne vaut pas. Application de la fongibilité des crédits. La M57 permet également de disposer de plus de souplesse budgétaire, on en a bien besoin, puisqu'elle offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Oui, c'est quand même limité. On donne de la souplesse, mais pas trop. À titre d'information, donc le budget primitif 2020 s'élève à 6 343 520 euros en section de fonctionnement.
et 3 747 787 euros en section d'investissement. La règle de fongibilité des crédits s'appliquerait en 2020 à 475 000 euros en fonctionnement et 280 000 euros en investissement. Bien. Donc, voilà une souplesse de plus. Deuxième différence. Hein, pour... Ensuite, adoption du règlement budgétaire et financier. Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement fixant les règles de caducité applicables aux crédits pluriannuels. Donc, les modalités d'information au conseil municipal sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. À minima, le maire doit présenter un bilan de la gestion pluriannuelle de la commune à l'occasion du vote du compte administratif. Il vous est proposé ici d'adopter, le RBF qui vous est proposé d'ici d'adopter reprend les mentions évoquées ci-avant en les adaptant au contexte de la ville et précise également la définition de règles de gestion de mise en œuvre pour la collectivité, notamment au travers de son logiciel de gestion financière. Donc, dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er janvier 2022, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la mise en place de l'instruction budgétaire M57, durée d'amortissement prévue en annexe 1, application de la méthode de l'amortissement linéaire prorata temporis à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2022 à l'exclusion des biens de faible valeur. Et il est proposé également de bien vouloir m'autoriser à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des dépenses de personnel dans une limite du budget et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Voilà. Après, vous avez, vous avez tous les 7 que je vous laisse lire si vous le souhaitez et nous répondrons à vos questions s'il y en a. Il y a des questions sur la M57 qui voit le jour. Non ? Bien, mais je vous remercie. Qui est-ce qui s'oppose donc à cette mise en place ? Qui s'abstient ? Merci, puisqu'on l'avait déjà finalement accepté, puisque on est comme une pilote, hein, c'est ça ? Oui. Il y en a plusieurs. Oui, mais moins que prévu, puisque la TEC arrête son activité sur la haute vie. Oui. La TEC n'a pas permis le logiciel de. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui. Donc, je passe la parole à moi-même encore pour les tarifs publics. Donc, excusez-moi, monsieur le maire, excusez-moi, on n'a pas entendu l'intervention de Karine. Karine Berthier. Non, je demandais s'il y avait, elle disait qu'il y avait moins de communes pilotes que prévu, parce que la TEC, qui permet à plusieurs communes, qui fournit le logiciel de comptabilité, c'est ça ? Arrête son activité. Elle ne permet pas le passage en M57. En tout cas, elle ne permet pas le passage en M57, mais il y a des inquiétudes de la part de plusieurs communes par rapport à ça. Donc, ces communes-là ne passeront pas en M57 pour l'instant. Voilà. Donc, nous ne passons pas par la TEC. Nous avons la société Berger-Levrault qui nous fournit nos logiciels pour l'instant. Voilà. On n'est pas marié avec personne, mais voilà. Parce que c'est vrai que ces logiciels sont très importants pour nous, pour notre personnel et pour la gestion. Et en plus, c'est avec les évolutions. Voilà. Donc, vous avez les tarifs publics, là, qu'on n'a pas changé, je pense. On n'a rien changé. Donc, tous les tarifs publics qui doivent gérer l'année 2022. Je vous rappelle le foyer du Pontex, où nous avons des locataires. D'ailleurs, je présente mes condoléances à sa famille, mais un de nos locataires, malheureusement, a eu un accident mortel de voiture aujourd'hui. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ces tarifs publics qui n'ont pas bougé et qui sont très utiles pour plein de choses ? Vous insistez pour que je les relise, non ? Non. Bon. Non, mais je veux être transparent, quoi. Tout le monde. Voilà. Bien, puisqu'il n'y a pas de modification, donc, qui est-ce qui s'oppose à ces nouveaux tarifs publics ? Qui est-ce qui s'abstient ? Merci. Donc,
Une nouveauté également, je passe la parole à Marilène Verdem, qui va nous parler de comité consultatif. Oui, alors je vais vous parler donc du comité, de la création du comité consultatif pour l'organisation des salons de fin d'année. Donc, il s'agit, suite à la dissolution de l'association Fêtiers Loisirs, qui avait été créée en 2011, après la dissolution de l'OMCL. Donc, cette association, après la démission de son président, n'a pas trouvé de successeur et donc cette association a été dissoute. Leur mission était principalement d'organiser le salon des artistes locaux et le salon de l'artisanat, ainsi que le salon des figurines et les soirées cabarets. Donc, la mairie a repris à son compte l'organisation des deux salons, une année sur deux, le salon des artistes locaux et le salon d'artisanat qui est devenu le salon des arts créatifs et que je vous invite à visiter puisqu'il est en ce moment jusqu'à dimanche. Pour pouvoir organiser ces salons, on a souhaité créer un comité consultatif. Alors, comme vous le savez, les comités consultatifs permettent à des personnes non élues de pouvoir siéger dans ce comité et d'apporter leur contribution pour l'organisation de ces salons. Donc, je vous propose les noms suivants. Donc, Serge Bouty, qui était l'ancien président de Fêtiers Loisirs, Pierre Noyac, Serge Maralac, Marité Pennec, Bernadette Martin, Marie-Odile Tabarot, Janine Basse-Bayon et Christian Touilleras. Voilà, ce sont les personnes qui se sont manifestées pour pouvoir participer et siéger dans ce comité consultatif. Voilà, je vous demande de bien vouloir. Et je vais préciser que le service émetteur n'est pas le Conseil municipal des jeunes, mais le service culturel. Bien que ce soit la même personne qui travaille sur les deux pôles. Oui. Voilà, monsieur le maire. Bien, merci. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, d'ailleurs, cette délibération n'est pas, elle est importante, elle n'est pas anodine, parce qu'elle marque un tournant dans ce que Marilène Verdem a rappelé fort justement samedi à l'inauguration du Salon des Arts Créatifs, donc que l'on a repris, toute l'histoire depuis l'OMCL, l'Office Municipal. Depuis 1971. Oui, même depuis 1971, mais il y a eu la création après de l'Office Municipal de la Culture. En 88. Qui est devenu après en régie, puisqu'on a repris au sein de la mairie le service culturel et certaines activités sont restés dans l'association Fêtiers Loisirs qui s'est créée à cet effet. Voilà, notamment ce qui a été rappelé, les deux salons qui sont très importants pour nos fêtiacois et fêtiacoises, la soirée cabaret et puis la soirée les figurines aussi. Alors le salon des figurines, le service culturel ne le reprendra pas, tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir une association qui va se créer, puisqu'il y a une personne qui travaillait beaucoup sur ce salon qui est fêtiacoise. Et donc, je pense qu'elle va créer une association qui organisera ce salon des figurines. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Donc, le service culturel reprend ces deux salons, dont un est effectivement en place actuellement, que je vous invite à aller visiter, comme l'a dit Marilène, mais aussi, c'est le moment de Noël, à faire vos emplettes locales pour des circuits de proximité, des circuits courts, avec une très grande qualité. Et je félicite Bénédicte Marcoul-Soulier, notre collègue, qui présente de très, très belles choses. Et on est heureux de voir bien tout ce que nos artistes locaux peuvent réaliser. Donc, n'hésitez pas. Je pense que les personnes présentes qui exposent sont satisfaites. Elles ont eu un petit peu peur lorsqu'elles ont vu que Fêtiers Loisirs était, que l'association était dissoute. Et c'est vrai qu'elles avaient beaucoup de mal à s'imaginer comment pourrait s'organiser. Alors, de notre côté mairie, ça ne nous posait pas forcément beaucoup de problèmes parce que, Marilyn,
qui est responsable du service culturel, a quand même l'habitude d'organiser des, ben, le pastel. Donc pour nous, ça ne nous posait pas beaucoup de problèmes. Mais maintenant qu'elles ont vu qu'effectivement, les choses pouvaient perdurer et qu'elles n'avaient pas eu trop de changements, eh ben, elles sont même prêtes à dire, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, que ben, c'était bien organisé, que c'était très sympathique. Donc elles sont satisfaites. Bon, maintenant, pour elles, ben, ça sera beaucoup plus clair. Bien pour ce lancement. Et puis aussi, je parlais de bénéfices, mais je vois... Frédéric Granet, le foyer APF aussi, oui, présente de très belles choses, hein, sur. D'accord, merci. Donc oui, parce qu'il ne faut pas tout faire un salon, encore faut-il qu'il y ait des gens qui fassent les permanences. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à le dire autour de vous. On a fait la publicité, mais c'est important. Donc une nouvelle activité qui est reprise en régie. Sachant que si Fétia Loisir ça arrête, ben c'est parce qu'ils, voilà, ils ont tenu très longtemps, hein, et voilà, et donc ils avaient sûrement un problème de renouvellement comme dans beaucoup d'associations. Et je les remercie également puisque ils ont dissous, sont en train de dissoudre l'association et ils remettent un chèque de 10 000 euros aux écoles, à la coopérative des écoles. C'était ce qui restait. Ils ont souhaité, hein, et à l'accueil de loisirs, enfin pour les enfants. D'ailleurs, il faut que tu reprennes contact avec lui. Là. Oui, ben voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un s'abstient donc sur ce comité consultatif? S'oppose? Bien, ben, il n'a plus qu'à travailler, comme celui du pastel, comme celui de la semaine de l'histoire. Alors, Marilène Verdem garde la parole pour aussi des tarifs publics. Alors, il s'agit là, c'est pas tout à fait des tarifs publics, c'est dans le cadre du Salon du Pastel, dans le cadre de la nouvelle campagne de sponsoring pour l'année 2022. Donc, c'est une délibération que je vous présente chaque année. C'est pour pouvoir récolter des fonds de sponsors. Donc, en fonction de leur participation, de leur présence sur nos supports de communication, donc en fonction de ce qu'ils voudront mettre, ils ont plusieurs possibilités, entre 500 euros, 950 euros, 1800 euros ou 3500 euros. Bon, je ne vous cache pas que c'est surtout les 500 euros qui sont adoptés, mais on arrive à avoir une enveloppe avec les partenaires, oui, chaque remercie, année, voilà. Donc, qu'on remercie, oui. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir adopter cette délibération qui est aussi portée par le service culturel. Oui. J'ai bien compris que c'était essentiellement 500 euros, mais est-ce qu'il y a eu d'autres, en 2021, d'autres des personnes qui ont validé des 3005, 1800 ou 950? Non, c'est essentiellement du 500. Oui. D'accord. Oui, oui. C'est déjà pas mal. Hein. Oui. Alors, on le laisse parce qu'on ne sait jamais. Ça nous permet de pouvoir, si des fois on avait un généreux donateur qui veuille nous donner 3500 euros, qu'on ne soit pas bloqué par ce don. Mais voilà, c'est déjà bien d'avoir... j'avoue que je n'ai pas le détail là, mais voilà. Donc, en fonction de la somme qu'ils nous accordent, leur présence sur les supports de communication sont différents. Bien, d'autres questions? Bien, qui est-ce qui s'oppose à ces tarifs? Qui s'abstient? Merci. On continue toujours sur des tarifs, cette fois pour le ski, le séjour de ski de l'accueil de loisirs. Catherine Goudou. Eh bien, si la situation sanitaire le permet, nous aimerions envoyer nos jeunes ados au ski pendant les vacances de février, du 14 au 18 février précisément. Alors, au village de vacances, le Grand Panorama, qui se trouve à Chambon-sur-Lac, près donc de Superbès, puisque les jeunes iraient skier à Superbès avec des cours de ski de l'école de ski française les après-midi. Voilà, mais pour cela, nous devons ce soir voter le tarif, voilà, qui serait de 250 euros pour les enfants de Fétia, dont au moins un des parents travaille à Fétia, ou dont les grands-parents sont domiciliés sur la commune. Voilà.
et bien sûr le doux pour les enfants qui ne remplissent pas ces critères. Bien. À ce jour, nous avons 8 inscrits. Ah déjà. Sans avoir fait vraiment de pub. D'accord. Voilà. Nous espérons ben, un petit groupe entre 20 et 30 jeunes. Bon, la demande si est possible, toujours forte. Voilà. Pour aller, il y a de la neige en plus. Pour, enfin, pour d'ici février, on verra. Ah, mais on espère les vacances de Noël. Pas dit qu'en février, il y aura. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais juste savoir la catégorie d'âge pour le séjour au ski. C'est 11-17. 11-17, merci. Bien, d'autres questions? Bien, bah écoutez, je mets au vote ce tarif. Comme ça, on pourra mettre en place le... Parce que ça sera très vite là, en plus. Hein. Donc, qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, par exemple, ça peut être un cadeau de Noël. Alors, délibération, Monsieur Rousseau, sur des baux. Merci, Monsieur le maire. Deux délibérations sur des baux. On va les voir un par un. Parce que... Alors, je vais y aller doucement. Signature baux avec la société de Mussy. Bon, déjà, c'est une délibération qui annule et remplace la délibération 2021-D029 du 10 mai 21. Donc, je vous informe que notre commune est propriétaire d'un terrain cadastré A164-162-64-111 d'une superficie de 29 156 m² rue Marc Dutheil, sur lequel se trouvent implantés deux bâtiments. Bâtiment type hangar et une maison d'habitation. La société du Mussy, représentée par M. Benoît Coulot, fournisseur pour les travaux publics et les bâtiments, souhaite que la commune lui cède un pas de porte sur ce terrain au prix de 700 000 euros hors taxes, soit 840 000 euros TTC. D'autre part, elle souhaite également signer un bail avec la commune pour exploiter son activité. Pour ce faire, le terrain fera l'objet d'un bail commercial qui portera le pas de porte évoqué ci-dessus. Ce bail sera basé sur la gratuité du loyer pendant 18 mois, à compter de la date de la signature du bail. À l'issue de ces 18 mois, un loyer sera appliqué sur la base de 0,20 euros le mètre carré, annuel bien sûr. La démolition de la maison d'habitation sera à la charge de la commune. Sur une partie du terrain, la promesse d'un bail à construction suivra le bail commercial à la demande du preneur, avec une durée de 50 ans et un loyer calculé sur la base de 0,20 euros le mètre carré pour la partie bâtie et non bâtie qui sera révisable annuellement. L'intervention de GMF, bien sûr, sera nécessaire pour la division parcellaire du terrain. Le loyer de la partie qui restera sous forme de bail commercial restera à 0,20 euros le mètre carré, révisable annuellement. Première partie. Deuxième partie. Enfin, la société Cogemat va céder à la société de Mussy ses deux baux amphithéotiques. La commune s'engage à requalifier à la suite de cette cession ces deux baux en un seul bail commercial 369 par acte notarié. Voilà. Donc, on vous demande d'autoriser le maire à céder le pas de porte, moyennant un prix de 700 000 euros hors taxes à la société de Mussy, d'autoriser le maire à signer les baux commerciaux et à construction avec la société de Mussy, de donner au maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Bien, merci. Ça vous paraît peut-être un peu compliqué? Vous pouvez poser des questions. Non, on a déjà voté là-dessus. Donc, à chaque fois, c'est des petites... chose qu'on change à la demande des notaires. Oui. Voilà, j'espère que là, on est exactement. Normalement, c'est la dernière fois, là, on est à peu près... Pour espérer. Voilà. C'est un gros travail de notariat, en fait, c'est ce qui prend du temps, parce que si les parties sont d'accord, le travail des notaires est très, très long, parce qu'il y a des baux très anciens, et en plus, on doit, notamment pour le rachat entre M. Chabante là, et la Cogemat, M. Coulon, on doit requalifier des baux suite à la décision des cours d'appel. Donc, après, tout est bien clair maintenant dans notre tête. Et voilà. Donc, on va
J'ai demandé à ce que ça soit signé avant le 31 décembre. J'espère qu'on va réussir à le faire. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on a pas changé les données depuis la dernière fois. C'était simplement des mots. Qu'est-ce qui s'abstient? Qui s'oppose? Donc, je vous informerai quand ça sera fait. Donc, on continue là avec, par contre, un nouveau projet. Oui. Alors, dont on a déjà parlé d'ailleurs, je crois. Oui, aussi. On en a beaucoup parlé en commission. Et là, on finalise. Oui, voilà. Signature de Beau, toujours. On dit bien de Beau, hein, parce que là, il y en a deux encore. Avec la société Valois 7. Alors, je vous informe que la commune de Fétia est propriétaire d'un terrain cadastré BD8, BD4, surface 4349 m², situé 6 avenue du Pontex à Fétia, et qui fait l'objet d'un bail emphytéotique entre la commune et la SCI VMG. Donc là, on parle de au-dessus le Provençal et Portalais, établissement Portalais, pour vous situer. La société Valois 7, représentée par M. Éric Massé, rachète le bail de la société VMG, avec comme projet d'y installer une entreprise de location de matériel pour le bâtiment. La commune s'engage à l'issue de cette cession de droit au bail emphytéotique, comme tout à l'heure, à requalifier ce bail en bail commercial 369 ou en bail civil, selon la qualité de la société Valois 7, commercial ou civil. Cette requalification du bail portera sur un périmètre identique à celui qui faisait l'objet du bail emphytéotique avec la SCI VMG et se verra appliquer un loyer de 2048,63 euros hors taxes annuelles, comme c'est porté. L'autre partie du terrain à construire fera l'objet d'un bail à construction, cette fois-ci, d'une durée de 40 ans. Le loyer pour la partie bâtie, à construire selon le permis de construire, qui a été délivré d'ailleurs, sera de 2 euros hors taxe le mètre carré, la partie bâtie, et pour la partie non bâtie, de 1 euro le mètre carré, révisable, bien sûr, annuellement. Donc ce soir, il faut autoriser M. le maire à signer les baux commercial ou civil et à construction avec la société Valois 7 de donner au maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le permis de construire a été délivré. Après, il n'y aura pas de péripéties. Non. Merci aux administratifs de m'avoir soutenu. C'est un peu long. Je suis intervenu évidemment, mais bon. Oui, voilà. Donc, merci au service technique. Et ce sera donc la société Kiloutou là, qui va s'installer ici. Je pense qu'il oui, il faut qu'on on va travailler avec les notaires d'abord, et puis après, sur l'aspect technique, il n'y a plus de problème. Bien, qu'est-ce qui s'oppose à cette délibération? Qu'est-ce qui s'abstient? Donc, création d'emplois, là aussi, et de ressources pour la commune. C'est un terrain qui a été inutilisé depuis longtemps. Et donc, la société VMG a souhaité finalement le céder à de nouveaux. Et voilà, ça nous permet de rendre utile cette dent creuse qui était là, puisque, comme l'a si bien dit tout à l'heure les gens qui nous Monsieur Mathieu là, qui présentait le PLU, avant d'ouvrir des nouvelles zones, remplissons celle-là. Bon, nous, on est pratiquement tout plein, mais voilà, c'était vraiment une dent creuse là, et le terrain sera entretenu parce qu'il y poussait des bouleaux, c'est dommage. Bon, c'est vrai que le bois devient rare, vous me direz peut-être que ça va devenir rentable, mais enfin, on n'en est pas là. Oui, le bouleau n'est pas le... Peut-être, voilà. Comment? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est qu'il n'y avait pas le permis encore. Et là, comme le permis a été délivré, on passe comme de Mussy au travail avec les notaires. Voilà. Donc, avec Muriel, on va revoir les notaires. Hein, on est en contact avec eux. La notaire, on lui a donné tous les éléments. C'est compliqué. Hein, comme pour M. de Mussy, c'est un peu le même genre de dossier, mais c'est compliqué, mais on commence à mieux maîtriser les différentes étapes.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, puisque je crois que l'ordre du jour est arrivé à son terme? Le réveillon de fin d'année a été annulé, donc pour les raisons que vous connaissez. Donc le comité des fêtes, compte tenu des contraintes qu'il y avait, ne se sentait pas à l'aise pour organiser cela parce qu'ils engageaient leurs responsabilités. On reportera le repas. Il y a le repas du personnel également. Enfin, toutes ces. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'annulé? Enfin voilà, il y a toujours des choses qui sont annulées. C'est désagréable, mais bon. Voilà, c'est la vie qui veut ça. Espérons qu'on pourra recommencer avec l'année 2022 quelque chose, une année un peu plus stable sur ce plan-là. Voilà. Monsieur le maire, oui. Si je puis me permettre, au nom des croqueurs de pommes, donc j'ai été délégué par son président que j'ai rencontré tout à l'heure. Donc il ne peut que se féliciter du service, des services de la mairie. Pour l'ensemencement des pommiers, ils ont trouvé le personnel agréable et vraiment ils ont été très très fiers de pouvoir faire cette opération avec nous et ils se sentent même prêts à en faire d'autres. Voilà. D'accord. On va pouvoir manger des pommes bientôt. Oui. Si on les mange dès l'année prochaine, bon, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, attendez, s'il vous plaît, il y a d'autres interventions. Oui, Jean-François. Oui, juste une intervention, juste pour remercier moi, les services techniques pour les illuminations. J'en ai eu pas mal d'écho, et puis cette année encore, c'est magnifique. Alors, donc, je tiens à ce qu'ils soient remerciés, aussi bien de ma part, mais de la part de plein de personnes qui m'en ont parlé. Voilà, tu fais bien, Jean-François, parce que j'ai pas mal de retours, même de gens hors Limoges, hein, qui viennent visiter les décorations de Fétia. C'est vrai que l'aménagement des ronds-points avec goût est important, bon, ça s'y prête. Et puis, la mairie en fond de l'hôtel de ville, en fond de décoration, quoi, quand on arrive de la route des Moutiers. Voilà, c'est toujours d'amener un peu de chaleur humaine dans ces périodes troubles. Voilà. Avec les remercier d'autant plus que, comme d'habitude, il y a eu quelques vols, quelques dégradations, comme on peut s'y attendre, évidemment. Bon. Oui, Christian. Oui, moi, je voudrais ce soir vous dire que les colis ont été fort appréciés. Et que la plupart des bénéficiaires m'ont chargé de remercier Monsieur le maire et l'ensemble du conseil d'administration. Ils D'accord. étaient complètement satisfaits. Tout voilà. à fait, oui, c'est vrai qu'il y a en cours la distribution des colis. Donc merci à Catherine au CCAS d'avoir préparé cette saison 2021. Bon, il vous reste, alors, je ne sais pas s'ils sont tous distribués, mais on n'est pas encore à Noël. Hein, il reste encore quelques jours pour le faire, donc n'hésitez pas. Voilà. Mais bon, voilà, on a essayé de les faire avant Noël, c'est surtout ça l'objectif. Hein. Chacun les distribue en fonction de son rythme, de son travail, etc. Mais bien sûr, ils sont toujours appréciés, d'autant plus qu'on a reporté le repas au mois de mars. Voilà. Donc, on espère pouvoir le faire. Bien. D'autres, avant de se quitter, est-ce qu'il y aura d'autres... Donc, ben écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous présents ou en visio donc une très bonne fin d'année, hein, des bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouvera, on se verra peut-être quand même pendant ces fêtes, mais on n'arrête pas, l'activité de la commune ne s'arrête pas, elle se met un petit peu en sourdine, mais au plaisir de vous retrouver donc en 2022 pour les réunions institutionnelles. Bonne soirée à tous. Merci, bonne fête et bonne fin d'année à tous.